Alors ici à Nîmes, c'est le premier rendez-vous en fait, le premier grand rendez-vous en France depuis les Jeux Olympiques. Donc ben en fait ce qui est intéressant, c'est qu'on en parle un petit peu plus qu'avant, dans le sens où effectivement maintenant le tir à l'arc, on sait que c'est un sport qui a ramené une médaille aux Jeux Olympiques, donc on a eu un peu plus de place dans la presse. Les jours qui ont précédé ce tournoi, et puis effectivement avec le plateau qu'il y a là sur cette compétition, c'est vraiment une répétition des championnats du monde, des prochains championnats du monde qui auront lieu en Pologne début mars, donc pour l'équipe de France et notamment pour Bérangère Chu qui est la seule médaillée qui prépare les championnats du monde, à l'occasion de s'évaluer par rapport au meilleur mondial dans la perspective du championnat du monde. These 10 points.
10 points, final arrows of the match. 10. Medaille d'or. Je vous remercie. Ero molto agitata, però insomma era un onore per me scontrarmi contro la Salvi, quindi volevo vincere, anche perché un'occasione così non è che capita tutti i giorni. E ce l'ho fatta. Io spero sempre di migliorarmi, anche perché questa era la mia prima gara da senior e spero di continuare così, di vincere ancora. E non si finisce mai di migliorare, quindi. That is just out. It is a 9. These 10 points. And a minor 10. Thank you for the last game. Pour terminer,
Nîmes, le tournoi de Nîmes, tu as abordé avec précaution, souvent avec le plateau d'archers internationaux qui vont être représentés ici, surtout une année de championnat du monde. Donc au niveau de l'organisation du tournoi de Nîmes, maintenant l'organisation est bien rodée, c'est un tournoi exceptionnel où on n'a rien à redire sur le plan organisationnel, sur les lumières, l'organisation du tir, la température de la salle, tout était vraiment nickel, super. Propre à la performance pure dans le tir à l'arc, faire du beau tir à l'arc. La finale, première finale individuelle pour moi, abordée avec beaucoup de stress sur le départ, qu'il a fallu intérioriser, garder pour moi, ne rien montrer à l'adversaire et continuer à se surpasser pour arriver à gagner une finale individuelle pour me représenter sur le plan mondial comme un client pour les championnats du monde. Yeah.
Alors les perspectives et la stratégie pour nous, c'est 2011 et 2012. L'enjeu, c'est d'avoir trois tireurs à 1330 sur un tir FITA et 670 pour les Jeux Olympiques de Londres l'année d'après. Donc les deux années qui à venir sont capitales parce que c'est l'occasion pour nous de voir un peu les forces en présence. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a deux garçons qui étaient aux Jeux Olympiques qui semblent se détacher. On le voit encore aujourd'hui à Nîmes puisqu'ils réalisent les deux meilleures performances françaises pour le moment. Et donc on est plutôt à la recherche d'un troisième, d'un quatrième qui pourrait intégrer cette équipe et faire en sorte qu'on arrive à décrocher une médaille en 2012. Donc il y a des gens comme Thomas Aubert qui était l'année dernière au championnat d'Europe, qui s'est très bien comporté, qui est bourré de talent. On se rappelle tous de ce match contre Park Young-mo qu'il avait sorti à Ulsan en Coupe du Monde. Maintenant, il faut qu'il soit plus rigoureux dans sa préparation. Et je pense que s'il arrive à bien faire la part des choses, on devrait le retrouver au meilleur niveau. Voilà, et puis après, on va essayer de travailler avec des jeunes, mais c'est encore un petit peu tôt. Il faut attendre cette saison à l'extérieur pour voir ce que ça donne avant de faire des pronostics. Première pièce, plus de trop tôt. Il a repris une place rapidement un 10. Le ça part un peu. Ce soir, déjà. Peut-être pas de moins. Neuf. Dix. Voilà. Dix.
That's a 10. And a 9. Tomber sur Terry, ce que m'a dit le coach tout à l'heure quand on était à l'entraînement, il me dit tu te rends compte, lui il a fait une médaille aux Jeux en 92 je crois, alors que moi j'avais que 3 ans, donc je me suis dit bah oui c'est vrai, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et tout, mais il n'y a pas de raison, c'est quelqu'un comme moi qui a commencé comme moi, si en 92 il a eu une médaille, il était jeune, et puis moi aussi, donc j'ai dit c'est pas impossible que je le batte, et puis j'y suis allé à fond. Mon objectif serait de la saison là sur le court terme, c'est les championnats du monde en Pologne. Donc on verra comment ça se passe là-bas. Bon, en ayant gagné Nîmes, je veux dire, je pars assez confiant. Donc je ne veux pas dire que je vais être champion du monde. Mais en ayant la confiance, me faire plaisir au maximum. Et puis après, sur le long terme, je veux dire, il y a quand même le FITA qui est le plus important. Et puis on va essayer d'aller au championnat du monde en Corée. Non, mais... faut se faire plaisir comme ça. Franchement, j'ai vécu un super week-end et j'espère en revivre d'autres comme ça.